après avoir travaillé quasiment 9 mois. Oh, t'as de la chance, moi ça fait 9 mois que je suis en télébranlette, j'en peux plus. 9 mois que je m'entraîne à une seule chose, la rouverture des bars. Sinon, quoi de neuf? On lance officiellement notre marque de bijoux. Monsieur! Ah là, je dis santé! Vous avez pu certainement voir depuis quelques mois avec ce genre de collier. Attends, montre ça de plus près. Moi, ça fait des mois que je la porte. Jamais vu. Quitte quasiment jamais. Sauf quand tu fais des séances photo, apparemment. Ah, la boulette. Mais oui, la boulette. Non, mais ne le prends pas mal, mais bon, d'un point de vue visibilité pour ta propre marque, ça aurait été intelligent de garder tes colliers quand tu postais des photos. Et j'avais aussi un bracelet que j'ai perdu, je suis dégoûté. Ah ouais, perdre ses bijoux, c'est jamais chouette. Mais bon, toi, t'as de la chance, c'est ta propre marque, donc tu devrais le retrouver assez facilement. Mais je vais pouvoir retrouver certainement des photos où je l'avais. Ouais, c'est ça, ou une photo. Par contre, ça se met nettement moins au poignet, les photos. Non, voilà, tout est lancé, le site est OK, vous pouvez aller jeter un œil au site. Alors, ne t'alarme pas, mais il semblerait que AliExpress ait copié ta marque de bijoux. Ouais, tout ce que tu proposes entre 40 et 50 euros, AliExpress le propose entre 2 et 7. Non, je sais, c'est chiant. Du coup, t'en penses quoi de tout ça, toi? C'est avec beaucoup de fierté que je vous en parle. Ah ouais? L'image de la marque, en gros, en fait. Là, comme ça, je dirais l'Arsène Lupin de chez Primark. Le Robin des Bois de chez Zeeman. C'est quoi l'image de la marque? Ça tourne autour de l'œil du karma. Le karma. Allez, bonne pandémie.